matin encore se glorifier le nom de Jésus-Christ. Yuko hapa asubuhi ya leo na kifukuzi kimoja tu ni kia kutukuza jina la Yesu. Lorsque le nom de Jésus est glorifié, wakati jina la Yesu limetukuziwa, par nous, na sisi, par ta puissance, kwa uwezo wako, au travers de nous, Seigneur, kupitia sisi Bwana, nos vies ne peuvent jamais rester les mêmes. Maisha yetu kamwe haiwezi kubaki sawa sawa. C'est pourquoi nous te disons encore merci ce matin. Jo kwa sababu na asubuhi ya leo tunakupikia tena asante. Nous glorifions ton nom. Tunatukuza jina lako. Et nous t'acclamons encore, Seigneur. Na tunakupikia tena makofi Bwana. Est-ce qu'on peut encore très bien acclamer Jésus? Piquez Jésus ma coffin. Acclamons Jésus le Dieu tout-puissant. Piquez Bwana ma coffin. Nous pouvons rester debout pendant que nous lisons deux ou trois versets. Tunaweza kusimama bwima wakati tutasoma mashairi mbili au tatu. Si ça ne vous dérange pas. Kama haikuzuru. Matthieu chapitre 15. Matayo sura ya 15. Matthieu 15, nous lisons 10 et 11. Matayo 15, tutasoma 10 na 11. Matthieu 15, 10. Matayo 15, 10. Jésus appela la foule à lui et dit. Yesu akaita kundi kwake na akawaambia. Écoutez-moi et comprenez bien. Munisikilizeni na muelewe vizuri. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur. Si kienye kuingia mkinwa kia mtu njoki na mfanya mtu anakuwa wa uchafu. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Lakini ni kienye kinatoka mkinwa kiake. Voilà ce qui rend l'homme impur. Ni ile inamfanya kuwa mtu anakuwa wa uchafu. Voilà ce qui suit l'homme dans d'autres versions. Na ni ile nachafla mtu katika ufafanuo ingine. Verset 15. Shairi ya 15. Pierre prit la parole et lui dit. Basi Petro akamwambia. Explique-nous cette parabole. Utufasirie fumbo hii. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Yesu akamwambia, nani vile vile mnakosa akili? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Amweleweni ya kwamba chochote kinaingia mkinwa ya mtu kinaingia mtumbo? Puis est évacué dans les toilettes. Na kisha kinaenda kutoshwa mcho. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Lakini kienye kutoka mkino akinatoka moyoni. Et c'est ce qui rend l'homme impur ou qui suit l'homme. Nani ile inachafla mtu. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alafu ni moyoni kunatoka mawazo mbaya. Qui conduisent au meurtre. Inapeleka mtu kwa uwaji. Au adultère. Kwa uzinifu. À l'immoralité sexuelle. Kwa kupenda usharati. Au vol. Kuiba. Conduisent au faux témoignage. Kinapeleka mtu ashuhudie kwa uongo. Qui engendre les calomnies. Na inazaa kuteta. Voilà ce qui rend l'homme impur. Na ni ile inachafla mtu. On peut acclamer la parole du Seigneur. Tupike makofi juu ya neno la Bwana Mungu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Tutagawanya neno la Bwana asubuhi ya leo. Autour de la pensée suivante. Kando kando ya wazo hiyo. Autour de la pensée suivante. Kando kando ya wazo hii. Ce qui entre dans l'homme. Kienye kinaingia ndani ya mtu. Ce qui entre dans l'homme. Kienye kinaingia ndani ya mtu. C'est ce qui existe en lui. Njo kienye kinaishi ndani yake. Amen. Amina. Ce qui entre dans l'homme. Kienye kinaingia ndani ya mtu. C'est ce qui existe en lui. Njo kile kiko ndani yake. Et ce qui existe en lui. Na kienye kinakuwa ndani yake. Détermine. Kinaonesha na kumaanisha. Construit. Construit sa vie et sa destinée. Kinajenga maisha yake na masiku zake za kesho. Je reprends très bien surtout pour nos amis journalistes. Nasema tena mzuri kwa sababu ya warafiki wa pasha habari. Et pour vous tous qui notez. Na nini wengine mnayeandika. Ce qui entre dans l'homme. Kienye kuingia ndani ya mtu. Détermine ce qui existe en lui. Njo kienye kinaonesha ye mwenye kila anakuwa nakyo ndani. Et ce qui existe en lui. Na kienye kinakuwa ndani yake. Construit sa vie et sa destinée. Kinajenga maisha yake na kienye ye atakuwaka kesho. Amen. Amina. Dans l'introduction à ce message. Na kumwanzo ya mjumbe hii.
Nous savons nous tous que l'homme est tripartite. Tunajua kwamba mtu anakuwa na vipande tatu. Si vous lisez encore 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Okay, soma wa Thessalonika wa kwanza 5 makumi na tatu. Connaissons tous très bien ce verset. On peut le remettre, il n'y a pas de problème. Sote tunajua hii shairi, unaweza kutuwekea kuna matata. C'est ce verset qui est l'un des versets qui révèle la composition tripartite de l'homme. Alafu hii shairi ni katika mashairi yenye inafunua ya kwamba mtu anakuwa na sehemu tatu. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Mungu wa salama miongoze katika utakatifu wote. Et que tout votre être, na umutu wenu wote, c'est-à-dire l'esprit plus l'âme plus le corps, ni kusema roho kuchanga na nafsi kuchanga na mwili, c'est ça les trois parties qui composent l'être vivant. Ndio sehemu tatu inafanya kuwa mwanadamu anakuwa mtu. Esprit, âme et corps, roho nafsi na mwili, soit conservé irréprochable, ichungiliwe bila kosa, lors du retour de notre Seigneur Jésus Christ, wakati ya kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Vous pouvez dire encore très bien amen. Sema tena amina ya mzuri. Donc la Bible nous révèle, alafu Biblia natufunulia, aujourd'hui encore, leo tena, que l'homme que nous sommes, ya kwamba sisi mutu, est composé de trois parties, tunakuwa na sehemu tatu. Comme on dit, l'homme est un esprit, savile banasemaka mutu ni roho, qui a une âme, anakuwa na nafsi, et les deux habitent dans le corps, na hivi viwili vinapangia ndani ya mwili. C'est ça l'être humain, l'être humain, njo mutu vile eko. Amen. Amina. Maintenant, nous disons que ceux qui entrent dans l'homme, na sasa tunasema ya kwamba bienye kuingia ndani ya mtu, c'est-à-dire ceux qui entrent dans cet homme dans ces trois composantes, nikisema bienye kuingia ndani ya huyu mtu katika sehemu tatu, détermine ce qui existe en lui. Njo bienye binaonesha bienye binakuwa ndani yake yeye. Prenons d'abord le corps. Tubebe kwanza mwili. Le corps. Mwili. Qu'est-ce qui entre dans le corps? Ni nini naingiaka ndani ya mwili? Ce qui entre dans le corps, bienye kuingia ndani ya mwili, c'est la nourriture, ni chakula, et puis la boisson, na kisha vinywaji. Ce qui entre dans le corps, njo bienye kuingia ndani ya mwili. Et l'objectif de la nourriture, na kifukuzio ya chakula, c'est nourrir le corps, ni kulisha mwili. Ok, nous continuons. Tunaendelea. Donc ce qui entre dans le corps, bienye kuingia ndani ya mwili, c'est la nourriture, ni chakula, c'est la boisson, ni vinywaji. La nourriture, chakula, a comme objectif de faire vivre le corps. Kifukuzio ni juu mwili endelee na kuishi. Le corps, mwili, pour vivre, iishi, a besoin de la nourriture. Na hata juu ya yo kuishi mwili inahitaji chakula. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Ndio kwa sababu tunapasha kuangalilisha vizuri bienye tunatumia kama chakula. Parce que si nous mangeons bien, kwa sababu tukikula vitu vizuri, le corps aura aussi une bonne vie. Mwili itakuwa na maisha mazuri. Mais si nous mangeons mal, lakini kama tunakula vyenye vistahili, le corps va tomber malade. Mwili itagonjwa. Quand vous lisez Exode 19, ukisome kitabu ya Kutoka 19, non, Exode 29 verset 13, Kutoka 29, 13 3, 16 à 17. Au Walawi 3, 16 hadi 17. Ça fait partie des lois que Dieu a donné à Israël. Inakuwa masheria ile Bwana Mungu alipatia watoto wa Israeli. Si vous lisez bien, Dieu interdit à Israël. Na kama ukisoma vizuri utaelewa ya kwamba Mungu anakataza watoto wa Israeli. De manger la graisse. Bashikule bia mafuta. Dieu dit, prenez la graisse. Na baba alikuwa anachukua mafuta. Brûlez au feu. Lakini anasema muichome kumoto. Ne mangez pas. Moshi ikule. C'est vrai qu'à l'époque Dieu ne pouvait pas expliquer à Israël. Ni kweli mwile wakati Mungu hakuweza kufasiria watoto wa Israeli. Que la graisse elle est dangereuse, elle est mauvaise pour le corps. Ya kwamba mafuta si kitu kizuri kinakuwa kihatari kwa mwili. Parce qu'elle contient le cholestérol. Kwa sababu inakuwa na ile kitu iko naenda kufunga mishipa. À l'époque la science n'était pas encore développée. Mwile wakati marifa bado hawakuwa bene kujifunza. Dieu ne veut pas se mettre à expliquer à Israël non. Mungu hakuweza kuitala. Cholestérol, quand ça entre, la quantité devient importante, ça va boucher les veines, il y aura l'hypertension, il y aura les crises cardiaques. Non, Dieu ne veut pas expliquer. Mungu hakuweza kuikana kufasiria watoto wa Israeli kama mafuta inapita mingi itaingia mishipa na damu haitatembea mzuri itamiletea matata kwa moyo. Seulement brûler la graisse. Na hivi aliwaambia tu muichome mafuta. Amen bien aimé. Amina.
Donc tu vois que même Dieu il est contre la graisse. Unaona na Mungu mwenyewe apende batoto yake bakule basikule mafuta. Même Dieu. Na Mungu mwenyewe. Maintenant toi tu n'aimes que la viande ou ya la graisse. Sasa we yako chakula ni paka nyama ya mafuta. Un jour je suis chez le médecin. Chiku moya mimi naenda kwa mganga. Il me donne des conseils. Ananishauria. Oui, elle dit. Kisha ananiambia. Bien sûr, il ne faut pas manger la graisse tout ça. Ni kweli usikule mafuta na binginevyo. Il ne faut pas non plus manger les peaux de poulet. Usikule kama unakula nkuku usikule ngozi yake. J'ai dit mes docteurs. Mimi nasema eh mganga. Mais le poulet c'est ça la peau. Sasa nkuku mwenye butamu yake shini muile ngozi yake njoo mule buiko. Il me dit non. Ananiambia hapana. C'est ici que chaque fois que un poulet me présenté à Jo kwa sababu kila wakati kama banaipika nkuku bananipatia yeye nimkule. Le combat commence. Jo pale mvite naanzaka nikule ngoshi niache. Combat. Amen. Jo pale mambo yako naanzia. Mon frère, tu dois connaître ton corps. Nduku yangu unapasha kujua mwili yako. Tu sais que ton corps a l'aptitude à développer ce qu'on appelle le diabète ou bien le taux de sucre élevé dans le sang. Mwili yako wakati ingine inaisha kuwa na sukari ilishapita. Discipline toi mon frère. Sasa ushanze kula kula bia sukari. Une tasse de café, demi tasse de sucre, non? Na sasa kawa mkiloko munkopo lakini kilauri kipande ya sukari unayaza kule ndani. Vous trouvez quelqu'un avec la grosse bouteille de coca de 2 litres et demi là seul en train de boire ça. Unakutanisha hii coca ya munene ya nchupa munene ile yeye mwenyewe kona kunywa hayo pale pale anaimaliza. Savez en matière de nourriture. Unajua mumambo ya chakula. Ce n'est pas toujours la bonne santé n'est pas toujours question de la prière. Afya njema sio tu mambo asema paka kama unaomba sana njoo utakuwa na afya njema. Du matin au soir tu as totalisé 10 litres de boissons sucrées. Asubuhi mpaka magharibi tangu ulianza kunywa na kunywa hivi unakunywa hivi vya sukari hapana. Comme nous ne boit pas la bière. Sasa vile shibe ingine haba wetu ba Kristo atukunywa ke mpombe. Nous devons veiller chers amis, c'est important. Tunapasha kukesha wapendwa ni amini. Dieu a interdit à Israël de manger la graisse. Mungu alikataza watoto wa Israeli wasikule mafuta. Donc faisons attention à ce que nous mangeons. Tukebeni ange na bienye tuko nakula. Faisons attention à ce que nous buvons. Tukebe ange na bienye tuko nakunywa. Parce que c'est ce qui entre kwa sababu ni bienye kuingia ndani ya mwili. Qui fait vivre le corps. Njo biko nafanya mwili ipate kuishi. Si tu es mince, kama uko mkonde, tu veux grossir, unapenda kunenepa. Va voir le médecin, le nutritionniste. Wendo kaone ule muganga ula naambiaga bantu biakula. Ils vont te conseiller. Batakwambia njoo wewe kunenepa kutumia biflani. J'ai déjà donné le témoignage d'un frère ici. Nilisha kupatia ka ushuhuda ya nduku moja alikuwa kama mgonde. Maintenant il dit faut quand même que je grossisse. Sasa anasema hapa sasa nafai na mimi ninenepeko. Et pour grossir, Dieu a kunenepa, il achète le beurre. Anauza manteka. Mais la margarine. Manteka. Une boîte de 500 grammes. Ile ya kipande ya kilo moja. 3 jours. Siku tatu alisha kuimaliza. Il prend la tartine. Anakamata kipande ya mkate, anapakana ngambo wengine, anakabula, anapakana na huku, anachanga, anakula, anabeba tena kipande ya mkate, anapakala ngambo yote mbili. Ina pas grossi. Asikunenepe hata vile. Mais il a attrapé l'hypertension. Lakini alipata malaria ya roho. Amen bien aimé. Amina. Donc nous devons faire attention. Tunapasha kukeba ange. Ce qui entre dans le corps. Bienye kuingia ndani ya mwili ya mtu. Contribue à la vie du corps. Binasaidia juu ya maisha ya mwili. Mais ce qui nous intéresse plus c'est ce qui entre dans l'homme spirituel. Bile binatuelekea sisi zaidi ni bienye kuingia ndani ya mtu wa kiroho. L'homme spirituel c'est l'esprit et l'âme qui lui est associé. Mtu wa kiroho ni roho na nafsi yenye kuambatana nayo. On appelle le cœur. Inaitwa moyo. Ou bien l'homme véritable. Au mtu wa kweli. Qu'est-ce qui entre dans l'homme véritable? Ni bitu gani binaingiaka ndani ya mtu wa kweli? Ce qui entre dans l'homme véritable. Bienye kuingia ndani ya mtu wa kweli. Qui le nourrit? Inamulisha. C'est d'abord les paroles. Kya kwanza ni misemo. Les paroles. Misemo. Les paroles. Misemo. C'est la première nourriture de l'homme spirituel. Jo chakula ya kwanza ya mtu ro. Les paroles que nous écoutons. Misemo yenye tunasikiliza. Par divers moyens. Na hata kwa manamna ya kuacha. Soit dans les conversations avec les uns et les autres. Au masungumuzo katikati ya watu. Soit au travers des médias. Au kupitia habari. Soit lorsque il y a la prédication ou l'enseignement comme maintenant. Au wakati wanahubiri neno au mafundisho kama sasa hivi. Quand il y a la musique, nous écoutons les paroles. Wakati kuna kwa muziki tunasikia. Quand nous chantons ici. Wakati tutaingia hapa. Nous prononçons des paroles. Kitu natamka misemo.
Même la lecture, même si c'est une lecture silencieuse, ce que nous lisons, ce sont des paroles qui ont été mises par écrit. Alléluia. Amina. Les paroles misemo entrent dans l'homme spirituel. Ina ingia ndani ya mtu wa kiro. L'esprit et l'âme. Ro na nafsi. Mais il y a aussi les images. Vile vile kuna mapicha, mamifano. Les images que les yeux de l'homme. Mapicha ile macho ya mtu. Amen. Inapeleka ndani. Dans l'âme. Ndani ya nafsi. Les yeux de l'homme physique. Macho ya mtu wa kimwili. C'est une véritable caméra. Inakuwa ni kia kukamata mapicha. Il capte les images. Inangalia mapicha. Et ils amènent cela dans l'homme intérieur. Na inaichukua na kuipeleka ndani ya mtu wa ndani. Alléluia. Amina. Les images. Mapicha. C'est pourquoi on nous a aussi toujours conseillé. Joko wa sababu kila mara wanatushauri. De discipliner les yeux. Tuadibishe macho yetu. Car si tu ne disciplines pas tes yeux. Kwa sababu kama wewe hauadibishe macho yako. Les images. Mapicha. Que tes yeux t'amènent vont te détruire. Ile macho yako yako naona na inakuletea itakuharibu. Dita ngoro bien amen. Sema tena amina ya mzuri. Hein? Les paroles. Misemo. Les images. Mapicha. Avant de continuer, voulons distinguer trois niveaux. Mbele ya kuendelea tutasemea vipande tatu. Niveau scientifique. Ya kwanza ni ya marifa. Niveau moral. Ile ya namna ya kuishi. Et niveau spirituel. Na ya kiro. Scientifique. Ya marifa. Moral. Ya namna ya kuishi. Et spirituel. Na ya kiro. Si nous allons sur le plan scientifique. Tukiende mumambo ya marifa. C'est tout ce que l'homme. Ni bile biote mutu. Depuis son jeune âge. Tangu alizalikwa. Reçoit. Anapokea. L'homme dans sa totalité. Muntu mubu muntu wake mwenye. L'esprit l'âme dans le corps. Ro nafsi ndani ya mwili. Tout ce qu'il reçoit comme information. Bile biote anapokea kama habari. Par l'enseignement. Kupitia mafundisho. Depuis l'école la maternelle. Tokea masomo ya chini kabisa. Maternelle. Primaire, secondaire, supérieure et université. Et nous voyons que là-bas, na tunaona ya kwamba pale, on utilise banatumia la parole, neno, on utilise banatumia l'image, vile vile na mifano mapicha. Alléluia. Amina. C'est ainsi que tout ce que l'homme reçoit. Na ni vile kile kiote mtu anapokea. Information. Kama habari. Depuis l'école gardienne. Tangia masomo ya chini ya mwanzo. Contribue à sa vie. Inasaidia maisha yake. Ça c'est sur le plan scientifique. Alafu ile ni muali ya marifa. Sur le plan moral. Muali ya namna ya kuishi. L'éducation. Ni mafundisho maadibisho. À la maison. Kunyumba. Familial. L'éducation. Ya jamaa. À l'école. Kumasomo. À l'église ici. Na kukanisa hapa. Tu dois faire ça. Unapasha kufanya hivi. Il y a des principes moraux. Kuko makanuni ya maisha. Que tout homme doit suivre. Ile mtu yote anapasha kuwa nayo. Qu'il soit chrétien ou païen. Uwe mkristo au mpagano, lakini na kuangalia. Et puis vous avez le niveau spirituel. Alafu tuna kimo sasa ya kiroho. Et là nous devons faire attention. Na pale tunapasha kukeba ange. Ici, c'est tout ce que nous recevons sur le plan spirituel. Hapa ni bile biote tunapokea muali ya kiro. Par l'enseignement. Petia mafundisho. Par la lecture. Petia vya kusoma. Par la prédication, etc. Petia maubiri na mambo ingine. Donc, je dis bien sur tout ce qui est spirituel. Nasema muzuri ile yote naelekea kiro. Or, nous savons que par rapport à ce qui est spirituel. Japo tunajua kwamba ile yote naelekea mambo ya kiro. Il y a deux sources. Kuna machemchemu mbili. La première c'est Dieu. Chemchemu ya kwanza ni Mungu. Et là c'est le Saint-Esprit qui est l'inspirateur. Na pale ni Roho Mtakatifu anakuwa wa kuvuvia. Et la deuxième source c'est Satan. Na chemchemu ya pili ni Shetani. Et c'est lui-même qui est l'inspirateur. Na ni yeye anakuwa wa kuvuvia. Tunapaswa kukeba ange. Donc bref, mukifupi. Sur le plan scientifique. Muali ya marifa. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, l'homme, motu, depuis son jeune âge, tangia ujana, jusqu'à l'âge adulte, il reçoit des informations, anapokea maabari, principalement par
la parole et l'image. Kwa upekee kupitia neno na mapicha. Ces informations sont calquées. Na ile maabari imechapwa. Sont logées dans son homme intérieur. Imetiliwa ndani ya mtu wake wa ndani. Et ces choses, na vile vitu, si nous joignons aussi la nourriture, na kama tunachanga ko na chakula, nourriture, chakula, parole, neno, image, mapicha, ces trois choses, hivi vitu tatu, font vivre les trois composants de l'être humain. Jo vyenye vinafai ile maali tatu, viungo tatu vya mutu vinaendelea na kuishi. C'est ainsi que nous devons faire attention. Na ni pale tunapasha kukeba ange. Que ce soit sur le plan physique concernant iwe ce que nous donnons à l'homme physique. Muali ya kimwili byenye tunapatia mutu kimwili. Que ce soit sur le plan spirituel. Iwe muali ya kiro. Ce que nous devons donner à l'homme spirituel. Byenye tunapasha kupatia uyo mutu wa kiro. C'est à l'esprit et à l'âme qui lui est associé. Nikusema roho na nafsi byenye kuambatana naye. Maintenant, Deutéronome chapitre 8 verset 1 à 3. Otweke kumbukumbu la Torati 8 tokea msari wa kwanza hadi wa 3. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Sikieni ile neno la Mungu inatangaza. Deutéronome chapitre 8. Kumbukumbu la Torati 8 verset 1. Msari wa kwanza. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. À Israël par Moïse. Kwa Israeli kupitia Musa. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Mutaheshimu na kutia katika tendo amri zote na mpatia leo afin de vivre. Ivi mupate kuishi. Vous comprenez? Naelewa? Les commandements sont transmis amri imeambukizwa sous forme de paroles na kusemewa kwa namna ya sauti ya matisemo. Sous forme de paroles écrites. Na misemo yenye kuandikiwa. Dieu a d'abord parlé. Mungu alisema kwanza. Et lui-même a écrit le décalogue. Yeye mwenyewe aliandika maamri pa vibao. Et il a remis à Moïse. Na alimpatia Musa. La Bible dit. Biblia nasema. Pourquoi respecter? Juu ya nini mtaishi? Pourquoi mettre en pratique? Kwa sababu gani mtaweka katika matendo? C'est pour vivre. Ni njoo ya mweku. Donc il y a une vie dans les commandements. Alafu kuna uzima ndani ya amri. Dites bien amen, non? Sema amina ya mzuri. Et de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Na kuwa wengi hivi mupate kutawala na kuwa ndani ya inchi ile Mungu aliahidia babu zenu. Souviens-toi. Kumbuka. De tout le chemin. Jia yote. Que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire dans le désert. Safari yote Mungu alikufanizisha ndani ya jangwa kadiri ya miaka 40. Pourquoi? Kwa sababu gani? L'Éternel voulait t'humilier. Bwana alipenda kukupatiza haya kunyenyekeza. Na kukupima. Pour se rassurer. Dieu akujihakikisha. Des dispositions de ton cœur. Ali na matayarisho ya moyo wako. De ton homme intérieur. Nikusema mtu wako wa ndani. Savoir si tu respecterais ou non ces commandements. Na kujua kama ndio au hapana utaheshimu amri yake. Shairi ya tatu. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la fin et t'a nourri de la main. Alikushusha chini na alikujulisha na hivi na kulisha na mama. Que tes pères non plus n'avaient connu. Ile au kujuaka wala babu zako hawakuijuaka. Afin de t'apprendre. Hivi akufundishe. Que l'homme. Ya kwamba mtu. Ne vit pas de pain seulement. Aishi kwa chakula tu. Mais que l'homme vit de toute parole. Lakini mtu anaishi kupitia misemo neno lote. Dit amen. Sema amina. L'homme. Mtu. Dans ces trois composantes. Ndani ya vipande yake tatu. Il ne vit pas seulement de pain. Aishi tu kwa chakula. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Il y a l'homme physique. Kuko mtu kimwili. Qui a besoin du pain. Anahitaji chakula. Mais il y a l'homme spirituel. Lakini mtu roho. Qui lui n'a pas besoin du pain. Yeye anahitaji chakula. Mais il a besoin de la parole de Dieu. Yeye anahitaji neno la Mungu. Je crois que vous allez dire amen, non? Nilizania kwamba mtasema amina. Le Seigneur Jésus va reprendre cela. Bwana Yesu anasema na yeye misemo moja moja. Dans sa confrontation ou la tentation par Satan. Wakati ya kujaribiwa na Shetani. Il répétera à Satan. Anamwambia tena Shetani. Que l'homme ne vit pas seulement de pain. Ya kwamba mtu aishi tu kwa chakula. Comme pour dire que l'homme ce n'est pas seulement le corps. Kama kusema mtu hana tu mwili. Qui a besoin du pain. Anahitaji chakula. Mais l'homme c'est aussi et avant tout l'esprit et l'âme. Lakini mtu vile vile anakuwa kia kwanza roho na nafsi. Qui n'a pas besoin du fufu pour vivre. Anahitaji bukali njua yeye aishi. Et qui a besoin de la parole. Lakini anahitaji neno la Mungu. Amen bien-aimé.
Amen. Quand vous lisez Jean chapitre 1, ukisome Yohane sura ya kwanza, du premier verset, kuanzia shairi ya kwanza, la Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Au commencement, mwanzo, était celui qui est Dieu. Alikuwa mwenye anakuwa Mungu. Au commencement était celui qui est Dieu. Mwanzo alikuwa mwenye anakuwa Mungu. Il était avec Dieu. Alikuwaka pamoja na Mungu. Il était lui-même Dieu. Na ye mwenye njo Mungu. Ça c'est une autre version, mais si vous mettez le semeur, ukiweke ya mpandaji. Parce ici ce qu'on veut relever c'est quoi? C'est que la parole de Dieu. Kwa sababu kenye tunapenda kuona hapa ni kusema neno la Mungu. A existé dès le début. Ilikuwaka ko tangu mwanzo. Cette parole était Dieu. Na neno ile njo Mungu mwenyewe. Elle était avec Dieu. Ilikuwaka pamoja na Mungu. Celle qui a créé. Na ni yayo iliumba. Donc comme pour dire, kama kusema, que Jésus-Christ, ya kwamba Yesu Kristo, c'est lui cette parole. Ye njo neno. C'est ce que la Bible dit au verset 14. Na ni ile Biblia naongea kushairi ya 14. C'est pourquoi le semeur traduit directement en disant, na hivi mpandaji anafafanua au commencement, mwanzo, était celui qui est Dieu. Alikuwaka ule anakuwa Mungu. Il était avec Dieu. Alikuwaka pamoja na Mungu. Il était Dieu. Alikuwa Mungu. La Bible dit, en lui était la vie. Biblia nasema ndani yake mulikuwa uzima. In him, en lui, uzima ndani yake, était la vie. Mulikuwa uzima. La Bible ne dit pas en elle comme pour se référer à la parole. Biblia haiseme ndani yake yeye kama kusema neno. Comme la parole c'est Jésus-Christ. Vile neno ni Yesu Kristo. C'est que le Saint-Esprit conduisant l'apôtre Jean. Na ni hivi Roho Mtakatifu mwenye kuongoza mtume Yohana. Que en Jésus, anafunua kwamba ndani ya parole neno était la vie. Ilikuwa uzima. Jésus-Christ. Yesu Kristo. La parole de Dieu. Neno la Mungu. La vie de Dieu. Uzima wa Mungu. C'est pourquoi la Bible dit. Na ni vile Biblia inasema. Celui qui a le fils de Dieu. Mwenye anakuwa na mwana wa Mungu. Yesu Kristo. Il a la vie de Dieu. Eko na uzima wa Mungu. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, je suis la vie. Mimi ni uzima. Donc dans la parole il y a la vie. Alafu ndani ya neno muko uzima. Amen, bien-aimé. Amina. Dans toute parole, ndani ya kila neno, il y a une vie. Muko uzima. Toute parole, kila neno, véhicule une vie. Inaleta, inapeleka uzima. Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez. Na kupatia mfano wengine juu pate kwa Ezekiel 37. Ezekiel 37. Suis attentivement mon frère. Écoute. Fata na utaratibu ndugu yangu dada. Suis attentivement. Fata na utaratibu. Comment tu peux commencer à lutter avec le sommeil maintenant? Namna gani wewe uko na kombana, uko na sinzia, uko nataka kulala saa hii? Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Verset 4. Shairi ya 4. Suivez très bien, chers. Kateni vizuri wa rafiki wapendwa. Puis il me dit. Kisha yeye akaniambia. Prophétise sur ses ossements. Tabiri juu ya mifupa. Na uambie. Vous comprenez? Naelewa. Dieu dit à Ézéchiel. Mungu anaambia Ézéchiel. Les ossements sont là. Mifupa yo hii. Mort. Yene kufa. Sec. Yene kufa. Sans vie. Aina na uzima. Maintenant, prophétise sur eux. Sasa we tabiri juu yao. Prophétiser c'est quoi? Kutabiri ni kusema. C'est prendre la parole de Dieu. Kubeba neno la Mungu. Et puis la proclamer. Na kuitangaza. Vers le ou la ou vers celui à qui la parole est destinée. Kwenye kunakuwa yule mwanaume au mwanamke ule mwenye parole est destinée aux eaux morts. Hapa hii neno mambo yayo ni kuambia mifupa ya Ezekiel. Mungu anaambia Ezekiel. Va parler à ces eaux là qui sont morts. Wendo kaambia ile mifupa inekufa. Dis-leur. Uiambie. Ossements desséchés. Mwe mifupa mikavu. Écoutez la parole de l'Éternel. Sikilizeni neno la Bwana. Amen église. Amen. Amina. Ezekiel s'adresse à qui? Ezekiel eko naambia nani? Aux ossements desséchés. Eko naambia mifupa mikavu. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Na anawaambia nini? Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Écoutez ma parole. Sikieni mwe mifupa mikavu neno langu. On peut lire la suite. Na kisha yake. Alors la Bible ajoute ceci. Biblia naongeza hivi. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Sikieni mwe ile Bwana Mungu eko namiambia. Vous ce sont les eaux morts. Mweye ni mifupa mikavu. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Mungu eko nabambia nini? Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Nitaweka ndani yenu roho na mutaishi tena. Je mettrai sur vous des nerfs. Nitaweka juu yenu mifupa. Je vous revêtirai de chair. Na tena mitamivuika. Je vous recouvrirai de peau. Na hata tamiweka tena. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Na nitaweka ndani yenu roho na mutaishi tena. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Na mwe mutatambua ya kwamba mimi niko Mungu. Écoutez maintenant le verset qui suit. Sikieni mashairi nafuata. Je prophétisais. Nilikuwa natabiri. Comme j'en avais reçu l'ordre. Kufuatana na oda nilipokea. Hallelujah.
Amina. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je parlais aux autres, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit. Et les autres se rapprochèrent les uns des autres. Ingine na ingine. Je vous ai déjà expliqué. Nilisha kufasiri. Et cela est bien expliqué dans une version anglaise qui dit. Nilisha fasiri mzuri mukingereze na semwa. Bone to its bone. Ni kusema mufupa inaita mufupa yake ingine. Ah. Ça dit mufupa inaita ile mufupa ile inene ana. Ah. C'est-à-dire l'os correspondant comme ils étaient avant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est ça. Ah, bone to its bone. Ni kusema mufupa inaita mufupa yake inekuendelea kuyaka. L'os du bras gauche. Ni kusema mufupa ya kumkono ya shoto. Ne peut pas aller là où il y a l'os du bras droit de Emmanuel. Haiwezi kwenda kuungana na mufupa ya kumkono ya kuume yangu. L'os de mon bras gauche. Na sasa mufupa ya papa. Va chercher l'os de mon bras droit. Inatafuta ya kuu ya kuume. Et les deux os vont chercher mon tronc. Na sasa yote mifupa inatafuta hii kiungo. Et non pas le tronc d'Emmanuel. Hapana kia mtu mwingine hapana. C'est ça ce que ça veut dire. Njo ile natafuta kusema. Écoutez. Sikieni. Pourquoi pendant que Ezekiel parlait aux os, kwa sababu kani wakati Ezekiel alikuwa na les os qui étaient morts, mifupa ilikuwa mikavu yenye kufa, mais ont commencé à vivre, na ikaanza kuishi. C'est parce que la parole de Dieu, ni Dieu neno que les os ont entendu, ile mifupa ilisikia, avait une vie, ilikuwa na uzima. C'est cette vie là, ile uzima, que la parole a communiqué aux os morts, neno iliamkizia mifupa mikavu. Mon frère, ndugu yangu, tu dois faire attention. Unapasha kukeba ange. Ma sœur, dada yangu, tu dois faire attention. Unapasha kukeba ange. Toute parole qui sort de ta bouche. Na musemo yote ile kunatoka mukinwa kiako. Surtout vous les mariés. Zaidi mwe baba na mama. Il y a beaucoup de problèmes dans le mariage. Kuko matata mengi ndani ya ndoa. Qui font que l'homme et la femme s'échangent parfois des paroles terribles. Inafanyaka bibi na bwana banaweza kuambiana misemo ya matata. Ma sœur, dada yangu, elle a un problème. Eko na mambo. Maintenant, dès que l'homme parle, wakati bwana anaanza kusema, kitambe. Ale paka pale anampelekea bibaya. Il parle pour la deuxième fois. Anasema ki ya pili. Kitambe, mon cher, kitambe c'est quoi? Amen. Elle lui adresse une mauvaise parole. Une mauvaise parole. C'est ça kitambe. Njoi. Et puis après, kesha yake, l'homme il est un peu déçu. Bwana ananungunika anakosewa sana. Quand l'homme essaie de réagir un peu. Sasa bwana anatafuta na yeye kujibu. La femme, c'est un exemple que je donne, je ne dis pas. Ni mfano mimi unasema mishi sema njoo vile bale bote peko mundoa njoo vile wanafanyaka. Je vais de tout tunachonga sachet. Eh, tu peux partir. Par, qu'est-ce que tu attends ici? Nous attendons ce que tu vas nous amener. Non, non. Apa. Nous attendons le sachet. Tuko naongojea bila taleta sachet. Bibi ganaenda ke musoko. Et la femme, elle, va au marché. Bibi Kani. Et c'est quelle femme qui va au marché? Qui ne va pas au marché. Qui ne va pas au marché. Quelle est cette... Donc c'est la femme qui parle à l'homme. Ni Bibi Njoe Konambia Bwana. Bibi Kani Ndange Monsoko. C'est quelle femme là qu'elle ne va jamais au marché? Bon, écoutez. C'est qui est? L'homme, c'est à 17h30 qu'il attrape le seau de farine. Ni Bwana ni 17h30 Njoe Napata Kambeke Chiabunga. Il habite la Roche. Yé quoi qu'il ne courage. Il a eu le seau de farine à Kamalondo. Alipata ile mbekechi ya bunga yeko Kamalondo. Kamalondo pour venir te donner l'argent à la Roche pour que tu ailles au soko. Anapasha kutoka mu Kamalondo njoo kwa kuletea wewe franga mu Roche chibushiki mulicha kuingia. Il passe par le marché. Ne vile yeye anapitia mu soko. Il attrape ce qu'il peut attraper, il veut amener. Ananunua kwa vile anaweza kununua anakuletea. Hein? Maintenant écoute ma soeur. Sasa sikia dada yangu. Le matin. Busubui. Tu as matraqué l'esprit et l'âme de cet homme. Worisha kuchoke shori mwambia ambia bia kumwambia bwana yako. Tu l'as méprisé. Una muzarau. Bon, maintenant le pauvre il vient quand même avec les sachets. Wa benye anakuletea ko bila risha kuji. Bien sûr tu vas préparer, il va manger, mais les paroles que tu lui as logées le matin sont toujours dans son esprit et dans son âme. Atakula, atakula lakini bienye bilo bitampi ulimukata kata na mambo mbayo ulimwambia. Biko paka ndani yake. Maintenant quand il mange. Sasa pale ko nakula. Les paroles là sont toujours dans son âme. Ile misemo yuko na murudiririe yuko na ishikia tena. Le pauvre. Wa benyewe. Après 20h, elle commence à dormir au salon. Kisha 20h, anaanza kulala paka mule mwenye alikuwa alishakuikaria. Anaelikokotia mshamba. Eh,
Enfin, il sort du salon, il va dans la chambre. Et le niveau de ronflement augmente. Na sasa kunguluma kunaongezeka. Toujours toi-même. Paka we ule. Wanin wanin. Qu'est-ce que toi tu es à même de faire? Ana bagre pa kulala. Tu es là seulement à dormir. Mais c'est toi qui l'as détruit. Si wenjo kona mularisha bushingi, si wenjo richa kumuua. Par tes mauvaises paroles, ma sœur. Kupitia misemo yako mubaya we. Inverse. Sasa tugeuze kwa mwingine. Bwana ye. Tu insultes la femme depuis le matin. Tangu busuburi anza kutukana paka bibi yako. Toi tu es quelle femme? Toko bibi mwanamke waje we. Tu la méprises. Una muzarau. Tu détruis son âme. Unaharibisha nafsi yake. Tu détruis son esprit. Unaharibisha roho yake. Et puis la nuit, kisha bushiku, tu veux que le corps de cet homme-là spirituel que tu as détruit te donne satisfaction? Unapenda roho ile mtu wa kweli wa kiro ya ule bibi uliouaua mchana ikupatie furaha. Sema amina. Dites bien amen. Sema amina. La parole, musemo, véhicule une vie. Inaletaka uzima. Faisons attention bien-aimés. Tukebeni ange wapendwa. Dans nos rapports les uns les autres. Mu usiano yetu wa moja na wengine. On peut multiplier les exemples. Tunaweza kuleta mifano ya kuachana. Dans tous les environnements où les gens vivent. Mu mazingira ya kuachana mwenye batu beko naishi. Alléluia. Amina. Deuxièmement. Kia pili. Maintenant, je m'adresse directement à toi. Sasa niko nakuambia sasa weye. Ça c'était sur le plan un peu général. Eh ilikuwa tulikuwa na bebo huko tunabeba na huko. Maintenant, je m'adresse à toi. Sasa sasa ni wewe njoo ule niko naambia. Ce qui entre en toi. Bienye binaingia ndani yako, c'est ce qui va déterminer ce qui va exister en toi. Njoo bile bitaonesha bienye bitakuwa naishi ndani yako. Toi ici, weye, c'est principalement l'homme spirituel. Ni mtu wa kiro. Et ce qui entre dans l'homme spirituel. Na bienye kuingia ndani ya mtu wa kiro. Peut être mauvais ou bon. Binaweza kuwa bizuri au bibaya. Les paroles sont bonnes ou mauvaises. Misemo inaweza kuwa mzuri au mubaya. Les images sont bonnes ou mauvaises. Mifano inaweza kuwa ya mzuri au ya mubaya. Considérons d'abord ce qui est mauvais. Tuone tuseme kwanza juu ya vibaya. C'est là que nous rentrons à notre texte de Matthieu 15. Na ni kule turudia Mathayo 15. On peut le mettre pendant qu'on fait le commentaire. Naweza kututilia wakati kuna semea. Le Seigneur Jésus dit quoi? Bwana Yesu anasema nini? Que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur. Aina bienye kuingia ndani ya mtu job na mchafula. Et il explique aux apôtres. Anafasiria mitume. La parabole. Fumbo. Il dit, il veut qu'il comprenne. Anapendelea boba elewe. L'homme ici est à deux niveaux. Huyu mtu anakuwa na vipande viwili. L'homme physique. Mtu wa kimwili. Et l'homme spirituel. Na mtu wa kiroho. Il dit que ce qui entre dans l'homme physique. Anasema bienye binaingia ndani ya mtu kimwili. La nourriture nous savons. Ni chakula tunajua. Après nous évacuons tout ça. Kisha tunaenda kubitosha. Ce n'est pas ça. Aina ile. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Lakini ni bienye kutoka ndani ya mtu. Ce qui entre par la bouche de l'homme physique. Bienye kuingia mukinwa kia mtu wa kimwili. Ne rend pas l'homme spirituel impur. Abichafule mtu wa kiroho. Alléluia. Amina. C'est ce qui entre dans l'homme spirituel qui le rend impur. Ni bienye kuingia ndani ya mtu wa kiroho njobi na mchafula. Mais Jésus va directement. Lakini Yesu mara moja. Il dit ceci. Anasema hivi. Ce qui rend l'homme impur. Bienye kuchafula mtu. C'est-à-dire l'homme intérieur. Sema mtu wa ndani. C'est ce qui sort de lui. Ni bienye kutokea ndani yake. Donc ce qui est en lui. Nikisema bienye kuwa ndani yake. Donc ce qui rend l'homme spirituel impur. Bienye kuchafula mtu wa kiroho. C'est ce qui existe en lui. Ni bile binekalaka ndani yake. C'est-à-dire quoi? Nikusema nini? C'est que cet homme. Nikisema bile huyu mtu. A fait entrer en lui. Aliingiza ndani yake. Jean-Claude. Ce que cet homme a fait entrer en lui. Ni kile bile huyu mtu aliingiza ndani yake. Ce que tu fais entrer dans ton esprit. Bile wewe unaingiza ndani ya roho yako. Rest. Binabakili yamo. Ça reste. Binabakili yamo. Ce que tu fais entrer dans ton âme reste. Bile unaingiza ndani ya nafsi yako binabakili ya ndani. Et ça va influencer ton comportement et les paroles qui vont sortir de ta bouche. Bita ongoza tabia yako na misemo yenye itatoka mukinwa kiako. C'est pourquoi Jésus dit. Na ni vile Yesu anasema. Ce que tu as fait entrer dans ton esprit. Bilo liingiza ndani ya roho yako. C'est ça qui suit
ton esprit. Et il dit quoi? Ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur. Et il précise ce qui vient du cœur. Il dit les mauvaises pensées. Il explique. Ce sont des pensées d'adultère, de meurtre, de vol, de faux témoignages, de calomnies, de jalousie, de haine. Donc le Seigneur parle des œuvres de la chair. Donc il parle du péché. Donc il dit ce sont ces choses-là qui sont dans ton âme, dans ton esprit, dans ton homme intérieur. Alors ces choses-là, elles te souillent. Pourquoi? Parce que ça influence les paroles de ta bouche, ça influence ton comportement. Ongoza na tabia yako yenyewe. Ce que tu as fait entrer. Bilo liingiza ndani. Alléluia. Amina. Nous avons dit quoi dans l'introduction? Tulisema nini kukingilio? Les paroles ont une vie. Misemo iko na bienye na letaka. Toutes les paroles que tu fais entrer en toi. Misemo yote loko na ingiza ndani yako. Véhicule une vie. Biko na kuletea mambo fulani. Sema amina. Là où il y a pensée, il y a parole. Pale peko mafikar na peko na misemo. Il y a comportement. Na peko na tabia. Je dis que là où il y a pensée, na sema penye para kwa mafikar, il y a parole. Peko misemo, il y a comportement. Peko na tabia. Proverbe 15. Mezali 15. Verset 26. Makumi mbili na sita. J'ai l'impression que ce message ne vous fait pas vous dit bien, je comprends. Minaona saa hii mujumbe mipendeza imifurahishe. Tantôt vous souriez un peu, tantôt vous wakati ngine na bantu saba na cheka saa ngine saba na shahidika saa kwa la kimya. C'est aussi la parole de Dieu. Yo na yo ni neno la Mungu hii. Tu n'as pas une autre. Les machinations des méchants sont en horreur à l'Éternel. Bon, les mauvaises pensées. Mawazo mbaya, les machinations sont des mauvaises pensées. Mawazo mbaya sont en horreur à l'Éternel. Ni machukizo mbele ya machination, les mauvaises intentions, les mauvaises pensées font horreur à l'Éternel. Pourquoi machukizo Mungu aipende juu ya nini? Parce que ces mauvaises pensées, kwa sababu mawazo mbaya engendre des mauvaises paroles, engendre des mauvais comportements, etazala tabia mbaya. C'est pourquoi Dieu n'aime pas ça. Jo kwa sababu Mungu aipende. Et la Bible ajoute, na Biblia naongeza, les paroles agréables sont pures aux yeux de l'Éternel. Misemo mzuri inakuwa safi mbele ya Mungu. Pourquoi les paroles agréables sont pures aux yeux de l'Éternel? Kwa sababu gani misemo mzuri inakuwa safi? Parce que les paroles agréables sont produites par des pensées pures, bonnes. Kwa sababu misemo mzuri inatokea kwa mawazo mzuri. Un homme qui a la haine dans son cœur. Muntula na kuwa na chuki ndani yake. Même s'il fait semblant comment? Hata kama anafanya saa aina njoo vile. Les paroles et le comportement finiront par le trahir. Misemo ile atakuwa nasema na tabia yake bantu wote batajua paka sema iko na chuki huyu. Alléluia. Amina. Proverbe 23 verset 7. Mezali 23:7. Écoutez encore. Sikilizeni tena. Ce que la Bible déclare. Ile Biblia inashuhudia. Proverbe chapitre 23. Il est comme les pensées de son âme, vous comprenez? Yeye eko paka vile mawazo yake ya ndani vile iko. Il est comment? Eko jeye. Comme les pensées de son âme. Paka vile mawazo ya nafsi yake iko. C'est-à-dire les paroles. Nikisema misemo. Les actions. Matendo. Les réactions. Na kujibu. Les comportements. Tabia. Tout ça ça traduit. Bile biote binaonesha wazi wazi. Ce qui est dans son âme. Kile ye wa bia kweli eko. Je te rappelle, Jésus a dit. Na kukumbusha Yesu alisema. Ce qui suit l'homme. Bienye kuchafula mtu. Ce qui sort de lui. Ni bienye binatokea mukinwa kyake. Qui sort par la bouche. Binatokea mukinwa. Qui vient du cœur. Binatokea mumoyo. Ce n'est pas le cœur ici, non. Aina hii moyo hii ya mnofu. Ton âme. Ni roho na nafsi yako. Mtu wako wa kiroho wa ndani. Vous regardez les gens avec très mauvais caractère. Unaona mtu yuko na tabia mbaya sana. Ça reflète son esprit. Binaonesha kile roho yake ye iko. Quand il agit toujours mal. Ye kama nataka kutenda, nataka kusema paka bibaya. Le corps physique. Mwili. Il est sous la direction, sous le pouvoir
Na mamlaka chini ya mamlaka ya mtu wa kiroho. Lorsque dans mon esprit, wakati ndani ya roho yangu, je conçois la calomnie. Mimi natafuta pa kuteta bengine. La bouche de mon corps. Kinywa cha mwili yangu. Va s'ouvrir pour calomnier, pour critiquer. Kukajua kwa sababu naona fulani, pour me briser, na juu ya kudharau. Pour me dire, juu hata ya kusemea bibaya. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Jérémie 4, verset 14. Jérémie 4, verset 14. Nous exhortons à nettoyer le cœur afin d'être sauvé. Mais la Bible dit quoi? Biblia nasema nini? Purifie ton cœur du mal, Jérusalem. Takaswa moyo wako yache bibaya Yerusalemu. Nettoie ton cœur, Jérusalem. Takasa moyo. Enlève le mal. Tosha vibaya. Enlève le péché. Tosha enlève zami. Les mauvaises pensées. Tosha mafikiri mubaya. Ndani ya moyo wako. Enlève. Uitoshe. Afin que tu sois sauvé. Hivyo uokolewe. Alléluia. Amina. On peut dire encore très bien, amen. Tusemeni tena amina mzuri. Nous avons dit que tulisema ya kwamba ce qui sort bienye kutoka vient de ce qui existe. Bina tokea mubile binekalaka ako ndani. Mais ce qui existe là bienye biko ndani est arrivé là-bas comment? Birifika amo je biringia amo. Il y a une source. Nikusema kuna kuwa mlango. Les paroles, les images ont une source. Misemo na mapicha iko na kwenye inatokeaka. Les mauvaises pensées, tout ça dans l'âme, ont une source. Mawazo mubaya na vyote vile ndani ya nafsi, kuko kwenye binatokeaka. Quelle est la source? Kwenye binatokeaka ni wapi? Les œuvres de la chair. Matendo mubaya ya mwili. Qui sont dans l'homme intérieur. Yenye kupatikana ndani ya mtu wa kiroho wa ndani. Elles viennent d'où? Inatokea wapi? Kia kwanza. Satan et son système. Shetani na matengenezo yake. C'est la première source. Njo chanzo ya. Nous sommes en train de parler de ce qui est mauvais qui entre dans l'homme spirituel et qui est mauvais. Donc qui communique une mauvaise vie, qui le détruit. Tuko nasemea mabaya yenye kutokea nje, inatokea kwa shetani inaingia ndani, inakuwa naharibisha. Satan et son système. Shetani na matengenezo yake. Luka 22. Makumi mbili na mbili. Nous lisons 1 à 6. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka 6. Luke chapitre 22 1 à 6. Luka makumi mbili na mbili mwanzo mpaka 6. Il s'agit de ce que la Bible appelle l'invasion satanique. Hapa Biblia inasema juu ya kuingiliwa na shetani. Satan qui envahit le cœur, l'homme shetani spirituel. Shetani anaingilia ndani ya moyo mtu wa kiroho. La Bible dit la fête de pain sans levain appelée la Pâque approchait. Na hata Biblia inasema karamu ya mkate bila chachu ilikaribia. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car il craignait le peuple. Wakuani wakuwa na waandishi walitafuta namna ya kumkamata Yesu kwa sababu walikuwa naogopa watu. Cherchez les moyens. Balikuwa natafuta manamna. Oh, suivez bien. Japo fateni. Satan. Shetani. A fait quoi? Alifanya nini? Il est entré dans Judas. Aliingia ndani ya Yuda. C'est ça que la Bible dit. Shinjo vile Biblia nasema. Or Satan entra dans Judas. Japo shetani aliingia ndani ya Yuda. Ana qui était du nombre des 12. Alikuwa katikati ya wa 12. Vous connaissez la suite. Shimnajua mambo vile litete. Judas alla s'entendre. Voyez un peu. Yuda anaingiliwa na shetani. Que signifie Satan est entré dans Judas? Ni kusema nini shetani aliingia ndani ya Yuda? Satan il est esprit. Shetani ni roho. Ce n'est pas qu'il est venu lui-même entrer dans l'esprit de Judas. Shetani yeye mwenyewe aliingia ndani ya roho ya Yuda hapana. Il a inspiré une pensée. Alimuvuvia mawazo ku roho ya Yuda. Lui a inspiré une pensée. Alimuvuvia wazo. Quelle est la pensée? Nous la connaissons. Ni wazo gani tunajua? Tu sais que le Sanhédrin cherche à tuer Jésus. Unajua kwamba baraza ya kumba anatafuta bamuue Yesu. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Lakini abajue bataanzia wapi. Ils ont peur du peuple. Beko naogopa batu. Mais toi tu peux être le moyen là. Lakini wewe unaweza kuwa namna juu boba mupate. Et tu gagneras de l'argent. Na utapata franga. C'est ça la pensée que Satan a mis dans l'esprit de Judas. Ile shetani aliweka ndani ya roho ya Yuda. Et comme Judas, sa vile Yuda, a laissé cette pensée se loger dans son âme. Aliachilia ile wazo yende
C'est ainsi que cette pensée a influencé son comportement. Et les paroles qui sont sorties de sa bouche. C'est ainsi qu'il est allé trouver le Sanhédrin. Moi je peux vous rendre service. Vous cherchez comment attraper Jésus. Mais je suis là. Je suis là. Alors ils ont frotté les mains. Ils ont pris 30. Et Satan et Judas vient. Na Yuda anakuja. Qu'est-ce qu'il leur dit? Anabambia nini? C'est lui que je vais embrasser. Ule mintabusu. C'est lui Jésus. Njo Yesu. Donc vous voyez que tout ce que Judas a fait par après. On a était influencé par la pensée que Satan a mise dans son esprit. Na ile wazo Satan a laissé cette pensée se loger. Sali aliacha ile wazo kuika ndani yake. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Nous savons comment Satan tunajua namna gani shetani a fait chuter Eve. Alimwangusha Hawa. C'est pas la parole. Ni kwa misemo. La parole. Misemo. À Eve. Anamwambia Hawa. En lui disant vraiment. Anamwambia ni bia kweli tu. Est-ce que Dieu réellement a dit? Ni bia kweli ni Mungu ndio alisema. Est-ce que ce que tu dis là réellement ce que Dieu a dit? Oui, c'est ce que Dieu a dit. Très bien, même s'il a dit. Mais je vous informe. Que c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Parce que le jour que vous allez manger, vous deviendrez comme lui. Ça, ce sont des paroles mensongères. Que Satan loge dans l'esprit d'Ève. Et puisque Ève n'a pas rejeté cela. Amen. Bien dans le Seigneur. Amina. Et va loger ça dans son esprit. Ali chika ndani ya roho yake. Et cela a influencé la suite. Na ile njo ilileta mambo yote ingine ile litendeka. Il a commencé par voir que le fruit était bon. Na njo vile kia kwanza aliona ile tunda iko mzuri sana. Anaichuma, anaionja, anaipepeta. Amen. Amina. Le fruit était bon. Mais c'est le fruit que Dieu a interdit. Et puis elle prend un autre. Kisha na chuma na ingine. Elle amène à Adam. Anaenda kupatia bwana yake. Dimanche. Anamwambia na wewe kula. Mange seulement. Kula tu. Mange seulement. Kula tu. Et le pauvre. Na wabenyewe. Il oublie. Anasahau. La loi que Dieu lui avait donnée. Sheria ile Mungu alimwambiaka yeye. Il oublie qu'avant qu'elle vienne, ils étaient à deux avec Dieu. Anasahau ya kwamba mbele au akuye kubarikuwaka bobe nye bawiri na Mungu. Mange. Anakula. Amen, bien aimé. Amina. Et quand Dieu lui pose la question. Na sasa wakati Mungu anamuuliza ulizo. Adamu. Tu y as enfreint ma loi. Tu y as mangé le fruit. Non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Ah, la femme que je t'ai donnée. Mais le jour que je te l'ai donnée, tu as dansé. Tu as dit, voici celle qui est rouge. Tu as embrassé l'autre. Et puis au nom de l'amour, tu as oublié ma loi. L'invasion de Satan. Kuingililiwa na Shetani. Et c'est ça son travail tous les jours. Kazi yake ya kila siku yeko nafanya. Tous ceux qui lui donnent une opportunité. Ule wote anamwachia njia, anaingia. Il entre. Anaingia. Tout commence par les pensées. Pourquoi? Mambo yote yanaanzaka na mawazo tu. Satan est un esprit. Njoo Shetani ni roho. L'homme véritable, il est esprit. Anajua kwamba mtu wa kweli ni roho. La vie commence par l'esprit. Na uzime naanzia ni roho. Le corps ne fait que subir les injonctions de l'esprit. Na kimwili kinatenda kwa tena na roho na mwili. Commence par l'esprit. Na hivi anaanzia na roho. Parce qu'il sait que dès qu'il a l'esprit. Anajua kwamba kipate roho. L'esprit et l'âme sont dans le corps. Na vile roho na nafsi wanapatikana ndani. Le corps va suivre. Na hata hivi vingine vyote atabitenda kisha yake. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Que dit l'apôtre Pierre? Tu mets Petro en Asemani. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Il dit soyez sobre, soyez vigilant. Anasema muwe bakalamushi macho wazi. Qui doit être vigilant? Nani anapacha kuwa macho wazi? Mais c'est toi l'homme véritable. Chini we mtu wa kweli roho na nafsi. Ce n'est pas la vigilance sur le plan physique, non. Haina kuwa mkalamushi na macho wazi mukimwili hapa. C'est au niveau de l'homme intérieur. Ni mtu wa ndani.
Soyez sobre, soyez vigilants. Soyez prudents. Pourquoi? Parce que Satan, qui n'est pas encore lié, qui est un esprit, son travail, c'est injecter des mauvaises pensées dans le cœur de l'homme, dans son esprit, son âme. Car il sait que les pensées sont là, bien logées, la suite va suivre. Résistez-lui. Mushindane naye. Avec quoi? Na nini? Avec une foi inébranlable, une foi ferme. Na imani isiyotingizika. Imani imara. Imani relève de l'esprit. Inatokea ni mambo ya roho. La foi c'est la parole de Dieu. Imani ni neno la Mungu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Lorsque Satan vient, wakati avec une pensée, anakuwa na sur mon esprit, muroya, au niveau de mon âme, ndani ya nafsi yangu, je lui dis non. Namwambia mimi nakatala. Et je lui rétorque. Na namujibu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Lorsqu'il vient me dire, wakati anakuwa kunyambia, prépare-toi seulement. Wewe ujitayarishe tu. Tu vas mourir. Utakufa. Pendant que tu es malade. Wakati uko mgonjwa. C'est la pensée dans ton esprit. Chini wazo ndani ya roho yako. Si tu accepte cette pensée là. Na kama unaichukia la vie. Iko na uzima. Quelle vie? Ni uzima gani? C'est te tuer? Ni akukuua wewe. C'est tout. Njoo ile kuna tafuta. Une fois que ton esprit est capturé, c'est fini. Wakati roho yako inakamatwa kunaisha. Dit amen bien aimé. Sema amina mpendwa. Maintenant comment tu vas le résister? Aso utashindana naye je? Tamwambia. Arrière de moi, Satan. Allez, toka pa we Shetani. Je ne mourrai pas. Mishi takufa. Jésus va me guérir. Yesu ataniponyesha. Son nom a la puissance de me jina guérir. Lake yeko na uwezo ya kuniponyesha. Son nom est plus puissant que cette maladie ici. Jina lake yeko na uwezo kushindia magonjwa hii. N'importe. Vous savez, Satan. Unajua Shetani. Quand vous lisez le verset là, l'apôtre Pierre ajoute car les mêmes souffrances. Kwa sababu kisome Biblia mtume moja moja anasema mateso moja moja. Satan connaît le meilleur moment. Shetani anajua wakati mzuri. Pour envahir l'homme. Juu ya kuvamiwa mtu. C'est quand l'homme est dans une certaine faiblesse. Ni wakati mtu anakuwa katika udhaifu fulani. Quand l'homme est dans une certaine wakati mtu anapatikana muzaifu. Quand nous parlons de l'homme et la femme ici dans le mariage. Hapa tuko nasemea bwana na bibi mundo. Le problème commence quand? Mambo inaanzaka wakati gani? Quand il y a des problèmes. Si wakati kuna kuwa magumu. Une épreuve. Kuna kuwa kipimo, mateso. Kuna kuwa magumu. Et pendant ce temps là. Na mwile wakati. Satan il vient. Shetani anakuja. Il loge des paroles dans le cœur de l'homme. Anaweka misemo ndani ya moyo wa mtu. Et si l'homme ne fait pas attention. Na kama bwana kebe yangu. Il commence à réagir. Anaanza kujibu. A mal parler. Na anasema vibaya. Et Satan qui est là. Na Shetani mwenyewe yuko pale. Il loge les mêmes paroles. Na yeye anaweka misemo moja moja. Dans le cœur de la femme. Ndani ya moyo wa mke. Si la femme n'est pas prudente. Kama mke hana mwerevu. Elle aussi elle ouvre la bouche. Yeye naye anafungula kinywa. C'est comme ça que ça commence. Chinjo vile binanzaka. Résistez-lui. Mushindane naye. Avec une foi inébranlable. Na imani la foi c'est la parole de Dieu. Imani ni neno. Comment je vais résister à Satan? Namna gani nitashindana na Shetani? Je proclame la parole de Dieu. Neno la Mungu. Qui est contraire. Inapingana. De ce qu'il m'inspire. Vile yeko na nivuvia. C'est ce que Jésus a fait. Jo kile Yesu alifanya. Transforme les pierres en pain. Geuza hii mawe iwe mikate. Mais je te dis. Lakini nakuambia. Que l'homme ne vit pas seulement. Mtu aishi tu kwa chakula. C'est-à-dire il n'y a pas que mon corps. Ni kusema haina paka mwili yuko naona. Mon esprit et mon âme. Kuko roho na nafsi yangu ndani. Amen. Amina. Deuxième source. Na chanzo ya pili. Qui amène les mauvaises choses dans notre cœur, dans notre âme. Vitu vibaya ndani ya roho na nafsi yetu. Ce sont les mauvaises conversations. Ni masungumuzo mubaya. Pendant une saa mzima. En train de parler. À deux ou trois wakati. Tangu mlianza kusungumuza bawili au batatu. Des conversations. Masungumuzo. Qui ont des... qui consiste en des calomnies. Yo ni paka ya mashimango. Kusemeana vibaya. En train de rapporter des nouvelles que vous ne connaissez pas. Uko naambia bantu mambo ile wewe mwenyewe hauijui hata sema njoo vile iko bia kweli. Surtout aujourd'hui là aujourd'hui. Aidi leo. Est-ce que tu as vu? Uriona WhatsApp. Uriona WhatsApp. Attends, je t'ai envoyé. Chunga wewe uko ni kutumia. Tu as envoyé des choses mensongères. Uko natuma bintu bile wewe mwenyewe hujui njoo vile biko ni bia kweli au ni bia bongo. Je suivais un jour là. Nilikuwa nafuata siku nyingine. On montre une image. Banaonesha picha moja. Et on dit que cette image là vient d'aujourd'hui. Na banasema hii picha ni ya leo. On cite même les lieux où
concernant l'image. Banataja ta phase yenye asema hii yenye ni phase fulani. Mais comme l'image coïncidait avec le contexte. Na sa vile ile picha ilikuwa nalinganishwa na mambo ya pale. Vous allez croire que c'est vrai. Wote amini asema ni kweli njopo. Alors que c'est faux. Japo aina tanjo kule. Une image qui concerne un contexte il y a plusieurs années et en dehors de ce pays là. Picha ile ni bia kweli mambo ilifanyikaka lakini zamani haina tamu ile inchi. Amen bien aimé. Amina. Non non, j'ai dit que vous ne devez pas acheter les mégabytes. Eh, mimi nasema mega, mshaanze tena kuuza, mshaanze kutupiana WhatsApp pour les mégabytes. Mégabytes, mambo tu ya mégabytes. Vous achetez. Chimuna uzaka. Prenant même l'offrande de Dieu, vous achetez les mégabytes. Utabeba tena sadaka ya Mungu, Mungu comprendre tout tato hata kesho hii mbele niuze mégabytes. Non non, il m'a chuque information que vraiment nécessaire. Ces derniers temps, il faut être à la page, il faut être à la une. Maintenant quand vous arrivez, ça ça parle tafika. Vous avez les mégabytes. Mégabytes yenyewe nauza. Plein de fausses histoires dans le téléphone. Biote bile wogo na pokea ni paka biabongo. Qui vous distrait? Bina kutosha na mawazo yenyewe. Qui occupe votre mémoire, qui occupe votre cerveau? Njobi yenyewe binabeba mawazo yako yote njoo yo paka ile. Voyez mais une chose qui est fausse. Ça ça onaona kintu kiabongo. Mais lorsqu'il envoie chez l'autre. Ça ça pale anatumia mwingine. Comment les gens ont prévu le commentaire. Ça vient des banques. Il fait aussi les commentaires. Ana kuachia ko kafosha sema kama uko na bia kusema na wewe sema. Il ajoute les mensonges sur les mensonges. Anaongeza hapo na yeye bongo pa bongo bale bali mtumi. Amen église. Amina. Les mauvaises conversations. Masungumuzo mubaya. Il faut faire attention aux paroles des hommes. Inafai kukeba ange na misemo ya batu. Il y a des paroles des hommes qui sont bonnes. Kuko misemo ile bantu wanasemaka. Iko mzuri. Il y a des paroles des hommes qui sont mauvaises. Na kuko misemo ingine yabo ni mubaya. Ça je vais vous en parler en semaine à l'intercession. Hapa tamisungumuzia mujuma hii asubuhi na magharibi. Les paroles des hommes sont mauvaises. Misemo ya kutoka kubanda iko mubaya. Il y a de la tromperie dedans. Ju muku uongo ndani. Ce sont des paroles vaines qui ne mènent à rien. Ni misemo tu kama nakuambia yote ya bure haitakusaidia hata kukitu. Ce sont des paroles blessantes. Ni misemo yenyewe itakuumiza. L'homme blesse la femme blesse l'homme. Mume anaumiza mke, mke anaumiza mume. Les enfants blessent les parents. Batoto wanaumiza bazazi, bazazi wanaumiza batoto. Les frères et sœurs dans l'église se parlent mal. Banduku na banada mukianisa beko naambiana misemo mibaya. Les paroles des hommes sont, je parle des paroles mauvaises, je n'ai pas dit que tout, non. Nous parlons de ce qui est mauvais. Mina sema misemo mubaya. Ni misiseme yote tu. Mina sema ni ile ya mubaya. Irrespectueux. Nikisema ile misemo haina ta heshima. Amen bien aimé. Amina. Quelle autre source? Chanzo wengine ni ya wapi? La connaissance spirituelle. Marifa ya kiro. La connaissance spirituelle. Marifa ya kiro. Toi tu es chrétien. Woko mu Kristo. La Bible tu ne lis pas. Biblia wewe mwenyewe uisomake? Les livres qui sur la Bible tu ne lis pas. Bitabu bile biliandikiwa na ba Kristo inasemea juu ya Biblia. Wewe uisomake? Tu es en train de chercher les traités des satanistes. Woko natafuta tule tu bitabu tuloko tule twa bantu bale wanatakia shetani hapa. Pour combattre Satan il faut le connaître. Juu ya kukombanisha shetani nafai kumjua yeye mwenyewe anatumikaka je? C'est pourquoi je lis ces histoires ici. Kwa sababu nduku mimi ndio ninasomaka. Mawazo ya il y a les pensées mises par écrit par Satan et ses démons. Et c'est ce qu'il y a dans ton esprit. Ces pensées ont la vie qu'ils vont te communiquer, mon frère. Il n'y a plus de place dans ton cerveau. La place dans ton cerveau. C'est donc toutes les spécialistes dans les religions. Nikusema mandini yote wona ijua vile boba nekalaka. Toi tu es chrétien. Woko mu Kristo. Mais tu as étudié profondément le bouddhisme, l'islam, tous les Corans dans ta tête. Mais il n'y a aucun verset de la Bible. Lakini wewe mu Kristo kitabu kiako wewe Biblia hauna nacho mukichwa yako. Tu sais que ton ami, tu connais bien qu'il n'est pas chrétien. Shurisha kuyua semo le rafiki yako kunatembea naye busiku na mchana ni ana mpaye accompagnement. On essendikize tu. Non non, c'est juste pour 30 minutes. Ah, tafanya tu madaki ya 13. Wewe ule na wewe kwani? Dans la loge. Unaingia mkale ka nyumba yabo. Tu es là assis. Urisha na wewe kuikala. Non non. Hapana. On a dit qu'il faut suivre le pain là où il est. Bari sema mpagano anafai kuenda naye paka kwenye yeye anaendaka. Ah. Ah.
pendant tu es là, pendant une heure. Ça, ce sont les pensées de Satan. Ni mawazo démons là. Et c'est ça qui entre dans ton esprit. Et dans leur temple, vous trouverez des images terribles dans leur temple. Quand tu vas sortir, ce sont ces images-là qui seront dans ton âme. Ce sont ces paroles-là que tu as entendues, que tu as logées dans ton âme, qui vont t'influencer. Amen. Amina. Mauvaise connaissance spirituelle. Na ata kujijua mwali mubaya. C'est l'une des sources qui amène les mauvaises choses dans. Inakuwa katikati ya machemchemu inaletaka vitu vibaya ndani ya moyo. Je te rappelle. Na kukumbusha. Le Seigneur a dit ceci. Bwana alisema hivi. Ce qui rend l'homme impur. Ile inachafula mtu. Ce qui sort de lui. Ni bile vinatoka ndani yake. Son âme. Nikisema nafsi yake. De son homme intérieur. Nikisema mtu wake wa ndani. Et ce qui est dedans là, c'est le péché. Na bienye kuwa ndani yake ni zambi. Maintenant, quelle est la source de ces mauvaises choses? Alafu chanzo na biele bitu binatokeaka wapi? C'est Satan. Ni shetani. Les mauvaises conversations. Masungumzo mbaya. Les mauvaises paroles des hommes. Misemo mbaya kutoka kwa watu. La connaissance spirituelle mauvaise. Marifa ya kiro, lakini ya mbaya. Enfin, il y a ce qu'on appelle la contamination. Mwisho yake kuna kuwa ile inaitwa kuambukiziwa. Hébreux chapitre 12, c'est l'avant-dernier verset. Wa Ebrania 12, njoo shahidi na tangulia ya mwisho. Hébreux 12 verset 15. Wa Ebrania 12, 15. Hébreux 12, 15. Wa Ebrania 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Kesheni hivi mtu hata moja ashiimwe na neema ya Mungu. Ase kokune racine d'amertume. Na mzizi hata moja ya uchungu. Poussant des rejetons. Yene kutosha chipuko. Ne produise du trouble. Ishilete mvuruko. Et que plusieurs n'en soient infectés. Na wengi wasiambukiziwe. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile? Racine d'amertume. Mzizi ya uchungu, ya tabu, ya mateso. Qui va faire quoi? Itafanya nini? Qui va infecter? Ishiambukizie. Qui va contaminer? Ishiambukizie. Lorsque tu es dans un groupe. Kwa sababu? Lorsque tu es dans un groupe. Wakati uko mkundi fulani. Ce soit au travail. Iwe mukazi. Même à l'église. Hata mukanisa. L'église, kanisa, l'objectif de Dieu, kifukuzio kia Mungu, c'est que tous les membres de l'église aillent au ciel. Nikisema wanamemba wote wa mkanisa waende mbinguni. Mais Jésus, Dieu lui-même sait. Lakini Yesu Mungu mwenyewe anajua. Quoi qu'il en soit, ataka manjo vile biko. Chaque jour le diable envoie aussi ses agents. Kila siku shetani na yana tumaka batumishi bake. Qui ne viennent pas pour être sauvés. Abakuwe juu ya boko okolewa. Mais qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Lakini banakuja juu ya kuharibu kazi ya Mungu. Convaincu qu'ils vont réussir. Na banahakikisha kwamba paka tutafikia. C'est pourquoi Jésus a dit. Ndio kwa sababu Yesu alisema. Jésus a dit ceci. Yesu alisema hivi. Que le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. C'est comme un filet. Inafatana na nyavu. Qu'on a jeté dans l'eau. Bali tupa ndani ya maji. Qui ramasse. Inaloba. Et le serpent. Na banyoka, et les scorpions, na bange, et les poissons, na samaki. Maintenant, quand on amène les filets, sasa wakati wanakokota nyavu, maintenant le pêcheur, sasa mvuvi wa samaki, il va faire le tri, atachagua, il tue les scorpions, anaua nge, il tue les serpents, anaua nyoka, et il prend les poissons. Lakini anachukua samaki juu ya kwenda kuitumia. Le royaume de Dieu, c'est l'église. Ufalme wa Mungu ni kanisa. Il dit c'est comme un champ. Kanisa inafanana na shamba. Oh, le propriétaire a planté le blé. Kule mlimaji alipanda ngano. L'ennemi vient planter l'ivraie. Adui anakuwa kutia magugu. C'est pourquoi c'est l'église. Njo kanisa. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? On laisse croître tout. Ubiache biote biwili bikomale. Et l'ivraie. Na magugu. Et le blé. Na ngano. Quand le temps de la moisson. Wakati ya mavuno, wakati tatimi. Le maître de la moisson. Mwenye shamba yake. Il va prendre le blé. Ye atachukua ngano. Et à droite. Na anatia kuume. Il prend l'ivraie. Anabeba magugu. Il jette au feu. Anaitia mumoto. Cela se fera lors de l'enlèvement. Ile tafanizika ni wakati ya kunyakuliwa. Le vrai. Wakweli. Qui sont le blé.
seront enlevés avec moi. Pamoja na mimi. Et les autres, na bengine bale, sont livrés. Banakuwa magugu. Vont rester. Batabaki. Et le jour de l'enfer arrive. Na siku ya moto pale tafika kabata tupiwa mumoto. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amina. Maintenant, écoute. Sasa sikia. Vous savez, Jésus, il est, Dieu, il est compliqué. On a joué à Mungu ni wa matata. Parce que les gens disent non. Batu mais sema, il est sorcier. Yeye ni muloji, yeye kona buloji. Féticheur. Yeye ni mpaka madao, yeye njoko na madao. Maintenant, il vient voir le pasteur. Ça, ça n'a quoi comme on a pasteur. Maintenant, quand il sort, parle natoka. Il dit que j'étais avec le pasteur. Alors, c'est pasteur moyen de quoi naï. Il ne m'a pas dit que je suis sorcier. Yeye moyen a kuone ata buloji bwang. Si toi-même tu ne me dis pas que tu es sorcier. Kama wewe unyambia sema wewe uko na buloji. Même si Dieu me le révèle. Ata kama Mungu ananifunulie. Bon, écoutez mon frère. C'est qui andugu? Les gens sont mariés. Bantu barisha kuoana. L'homme sorcier, la femme non. Bwana njo muloji lakini bibi wake hapana. Ils viennent te voir. Bana kwa kuona bote bawili. Toi tu dis à la femme. Sasa unaambia bibi. En présence de l'homme que ton mari est sorcier. Mbele ya bwana yako asemwe mwenye kukuloka ule kuna kuletea magumu ni huyu bwana huyu. C'est ce que Dieu a dit. Njo vile Mungu alisema tutaanza kuambiana vile. Je sais que dans l'église. Njo vile mukanisa. Même si je sais. Hata kama mimi najua. Tu es sorcier. Muntu fulani iko muloji. Prendrai jamais le micro dit toi tu es sorcier là toi wewe muloji wewe uloko pale shushimame dit amen sema amina la repentance kitubio elle est volontaire ni ya wewe mwenyewe akipendaro elle est volontaire ni akipendaro c'est ça njo ile quand le sorcier lui-même reconnaît muloji yeye mwenyewe kama anatambua sasa niko na buloji pale le pasteur va prier pastor et Dieu parle le pasteur va na Mungu kupitia pastor atamkuu le sorcier refuse kama muloji anakataa il demeurera sorcier amen asema mimi tabaki hapa na buloji bwangu nikamkagu rentre à la contamination turudie kuambukiza vous êtes dans un groupe. Unakutanisha mkundi fulani. Vous savez que dans notre groupe ici. Unajua mkundi yetu. Il y a une racine d'amertume. Kuna kuwa mambo ya buchungu. Il y a un type qui a un mauvais caractère. Kuko bwana moja kuna tabia mbaya. Mais vous le laissez. Lakini munamwacha paka. Au milieu de vous. Eko naendelea na kuishi na mwenye. Il finira par vous contaminer mon frère. Mwisho ya yote na wote kuwa na tabia mbaya. Kwa, Biblia inasema nini? Dans 1 Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza. Je crois 15. Nazania 15. Les mauvaises compagnies font quoi? Barafiki baba banafanyaga nini? Corrompre les mauvais les bonnes. Banaharibishaka na bale balikuwa na tabia mzuri. C'est la contamination sur le plan spirituel. Ni kuambukiziana mwali ya kiroho. Dit amen. Sema amina. Si vous mettez des tomates dans un seau. Kama unabeba tomato unaiweka yote mumbeketi. Il suffit que dans le seau là. Tafazali tu mwile mbeketi. Il y ait une seule tomate. Muwe tu tomato moja ilishaoza. Ça suffit pour détruire toutes les autres vraies ufo. Jo ile natosha utakutanisha na yote nyingine ile kwa kose taoza. Mais si tu conserves les tomates tu vas faire quoi? Kama unataka kuchunga tomato ibakie mwali mkubwa. Enlever celle qui est pourrie mon frère. Ondosha ile yenye kuoza na. C'est ce que la Bible dit. La racine d'amertume va effecter. Kile kintu kibaya kitambukizia na bengine. OK. Ça refuser de dire amen. Ça vire mnakatala pa imambo kusema amen. Mimi ndio mandone aujourd'hui. Mimi ndio ile Mungu aliniambia nilete leo. Jacques chapitre 3 verset 6. Son termine. On a fini. Jacques 3 6. Yakobo 3 6. Jacques chapitre 3 verset 6. Yakobo sura ya 3 6 ndio inakuwa shahiri ya mwisho. Niko nesono concernant la langue, la parole. Kitu nayoa mambo ya ulimi, misemo, nduku. Écoute, voici ce que la Bible te rappelle. Sikia ile Biblia nakukumbusha tena. La langue aussi est un feu. Ulimi nayo ni moto vile vile. C'est le monde de l'iniquité. Njo ulimwengu ya mabaya. La langue est placée parmi nos membres. Ulimi inatiliwa katikati ya viungo. Na inachafula mwili yote. Enflamme le cours de la vie. Na inaharibisha na maisha ya mtu. Et elle-même enflammée par la gêne. Vous comprenez? Na yo yenye inachoma na parole mon frère. Misemo. Je t'ai dit que la parole qui sort de ta bouche communique une vie mon frère. Na kuambia misemo ile kunatoka mkinwa kiako iko naleta mambo. Quand l'auteur parle de la parole parce que la langue c'est wakati mwandishi anasema ulimi ni njia ya misemo. Iko mkinwa. La suite. Na yafatayo. Toutes les espèces de bêtes. Na hata maaina yote ya wanyama. Et oiseaux, des reptiles et d'animaux marins. Ya banyama bale kutambala ndeke. Et ont été domptés par la nature humaine. Na hata banataliwa na mtu. Mais la langue. Lakini ulimi.
Aucun homme ne peut la dompter. Hakuna mtu anaweza kuitawala. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Ni kitu kienye kile hawezi kuapiza. Elle est pleine d'un venin mortel. Na hata inakuwa na sumu ya kuua. Si tu n'es pas d'accord avec le message. Na unaona kama wewe upende hii mjumbe. À la sortie là-bas. Mukutoka. Aujourd'hui rien. Bila utasema, si utasema ni vitu gani vile? Ana hata hakuna kiasi. Chini ulimi yenye ile. On peut lire la suite. Tusome yafuatayo. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père. Na ulimi tunabariki Mungu Baba. Et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Na paka na ulimi njo tunalaana bantu wale Mungu aliumba kwa mfano yake. Voyez comme nous sommes ici. Tunaona hivi tuko hapa. Gloire à toi. Bwana usifiwe Mungu wangu. Alléluia. On a chanté, on a adoré. Chi tuliimba hapa tulisifu na kuabudu. Lege tu so. Pale tu utatoka. Il dit à son ami. Anaambia rafiki yake. Est-ce que hier na vale ni manile? Hein? Est-ce que le mari là le convient? Hein? Il en a voilà. Et ce qu'il a mis aujourd'hui là, ça le convient? Est-ce que ça le convient? Ok, on peut lire l'autre verset. Ça, tu sommes chahiri ingi. De la même bouche. Pas qu'à qui nous qui mange. Sorte la bénédiction. Mon atoka baraka. Et la malédiction. Na laana. Il ne faut pas, mes frères. Aifai banduku yangu. Qu'il en soit ainsi. Iwe vile. La source. Peut-elle jaillir par la même ouverture? Inaweza kutosha paka mwile nshimu yake. L'eau douce, maji matamu, et l'eau amère. Na maji mubaya. Non, non, tiens-toi debout. Shimama, shimama. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Tumpikie makofi. La source, c'est ton cœur, mon frère. Chemchemu ni moyo wako. C'est ton cœur, ma sœur. Chemchemu ni roho yako ndiko nalala. Est-ce qu'elle peut faire sortir l'eau douce, l'eau amère? Inaweza kutosha maji matamu na mabaya. Toi-même là, aujourd'hui tu parles bien, demain tu parles. Wewe leo unasema vizuri, kesho tena unaanza kusema vibaya. Aujourd'hui tu souris. Leo unacheka. Paka wewe. Tutoa. Personne ne peut t'aborder. Kesho hakuna mtu hata kama wanakulamukia ni mambo. Non, non, la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Une source. Fait-elle faire sortir? Inaweza paka yomo kutosha. De l'eau douce. Maji matamu. De l'eau amère. Na maji machungu paka yoyile. Nous fermons les yeux. Tufungeni macho. Nous voulons prier le Seigneur. Tutaomba Mungu.